Alors, nous disions donc les 10 douzaines d'aiguillettes de marmaille au coulis nasal avec... très bien. Moi, je vais vous dire... Ah oui, la ribambelle de... À mon époque, on savait ce qu'on mangeait. Alors que de nos jours, on vous met du 20 ans d'âge dans la marmite et hop, on vous fait passer ça pour de la grande gastronomie. Ah non, c'est pas... ça, heureusement qu'il existe encore des coins comme ici. Où ça sent bon, la chair fraîche. Ah ouais, c'est drôle, pour ce qui est de nous engraisser, ils sont vachement efficaces quand même. Par contre, ils sont super moches, hein. Et toi, mon petit Dagmar, oh, tu vas bien dévorer un petit peu quand même, hein. Prends donc un petit pretzel, là. C'est le nourrisson nouveau ce soir. Bon. Faut célébrer. Non, c'est bon. Je suis pas dans mon assiette. Sauce lacrymale. Et pour monsieur? Je sais pas, je prendrais juste un sirop marmot aux fraises. Non, mais t'es sérieux, là? Tu vas vraiment rien avaler? Et attends, mais... T'as perdu du grain, non? Oh, ouais, qu'il est bizarre, quand même, aujourd'hui. On dirait que t'as rien englouti depuis au moins... un quart d'heure. Un quart d'heure? Oh, regarde ça, pareil, t'es beau Grégio. Tu vas nous dire un petit peu ce qui t'arrive, bon, là? Bon, ça va. En fait, je suis amoureux. Amoureux? Attention, attention, s'il vous plaît, chaude. Les cervelles à la queue et les aiguillettes de marmaille. Et tu dis que t'es amoureux? T'es pas dans ton assiette? Si ça se trouve, t'as juste mangé du gamin élevé en batterie. T'es sûr que c'est pas ça ton problème? Mais non! Moi je te le dis, le naturel, y'a que ça de vrai. Le bambin, faut que ça court dans les bois, avec la peur au ventre de préférence. Mais non que je te dis, je suis amoureux. En fait, si je mange pas, c'est aussi que je veux mettre toutes les chances de mon côté, tu vois? Oui, alors là, tu m'excuseras. Mais les ogresses, faut les émoustiller. Mais... faut avoir l'estomac bien bombé. Mais non, c'est que justement, en fait, c'est pas une ogresse. C'est une trollette. Une quoi? C'est mais pas vrai. Une quoi? Oh non. Une trollette. Une trollette. Papa, il est où, papa? C'est pour la 3. Une trollette? Dégueu. Ah ouais, quand même. Bon, Dagmar, quand tu dis que tu l'aimes, dans le fond, ce que t'aimes, c'est la ripaille qu'elle te sert. Hein? Mais bon. Non! Et quand est-ce que tu me la présentes, la trollette? Bah, en fait, j'ai pas encore osé l'aborder. Tu lui as jamais parlé? Mais non, mais bon, je suis sur le coup, hein. Je sais déjà qu'elle travaille ici. Bon, alors, quand elle arrive, tu commences par la phase d'approche. Pas trop rapide. Non. Petit clin d'œil. Hé, C'est elle, hein? Je suis sûr que c'est elle. J'ai pas raison. Allez, Don Juan, hein? C'est le moment. Je suis sûr que c'est elle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme ça, tu... enfin, je veux dire... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Depuis que mon regard a croisé le vôtre, mon cœur n'a cessé de battre pour vous. Et si le choix m'était donné de ne jamais vous perdre, je ferais de nous deux une histoire éternelle. Oh, excuse-moi. Mais franchement, c'est... un ogre. Bon, à la limite, pourquoi pas? Mais alors, dans ce cas-là, un vrai, quoi. Là, y a rien à se mettre sous la dent. Tu t'es vu? Ah bah, ça se mange aussi, les trolls. Et ils vécurent heureux.